Allez, salut à tous et bienvenue pour ce 9e épisode déjà, 9e épisode de mon LP sur Pokémon. J'espère que ça va très bien de votre côté. On s'était laissé précédemment au Mont Sélénite et on va dans cet épisode essayer de trouver la sortie de ce mont en se faisant agresser toutes les secondes par un Pokémon. C'est pas possible. Alors, et donc dans l'épisode précédent, on avait capturé un Machoper. Alors, à savoir les amis que je suis en... dans une toute nouvelle version du jeu là, j'ai téléchargé ça ce matin même. La nouvelle version est disponible sur le Facebook de Sylvos. Du coup, les liens dans la description sont totalement différents à partir de cet épisode. Vous le verrez, ce sera un nouveau lien méga qui sera disponible. Allez, il va me foutre la paix. Alors, donc, j'imagine que c'est par là la suite de la grotte. Enfin, j'espère. Et donc direction Azuria. Azuria et j'espère que ça se passera bien là-bas parce que j'ai aucun Pokémon plante. Enfin, qui a des attaques plantes ou électriques sur moi normalement. Hein. Et non. Et du coup, pour battre Ondine, je sais pas comment je vais faire. Bon, bah voilà. Alors on va continuer. Encore un Acerapti. Au passage, vous avez vu, les miniatures sont totalement différentes. Elles ont changé de format. Un dresseur, où ça? Les miniatures ont changé de format. Il y aura une image du gameplay, une image de la vidéo dans la miniature. Dites-moi si vous préférez le nouveau format de miniature ou l'ancien. Allez, en commentaire. Point karaté sur toi. Super efficace. Et ouais. Enfin bref, allez, on va continuer à progresser un mystère. Pff, on va pas changer. Écoute. Boah, il baisse mon esquive. Encore deux coups et normalement on est bon. Allez, vas-y. Ah bah voilà, coup critique, parfait. Granivol, allez, on va envoyer Reptincelle pour être tranquille. Pour être débarrassé de Granivol rapidement. Flamèche, et on n'en parle plus. Voilà, parfait. Au revoir. On progresse. Hop. Fuyons. Ok, c'est un cul-de-sac. On progresse, on a un parasici. Racaillou, on s'en fout. On va le battre, comme ça va nous faire XP. Passer au niveau 17. Okay. Voilà, parfait. Ah, des spams. Fous-moi la paix. Est-ce que j'aurais pas un repousse? Non, c'est vraiment dommage ça. Ah, un montagnard. Ah, il s'est fait devancer par un Pokémon sauvage, c'est super. Ah tiens, un mioche. C'est reparti. Bon, il va avoir du Pokémon Rush, je pense. Ouais, Onix, je devrais le battre facilement avec une attaque combat. Pas de problème. Il passe ma défense. Voilà, si j'avais eu Machoper pour l'arène 1, ce serait passé beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ah, voilà qui est fait. Au revoir. Allez, une échelle. Et je rappelle que dans l'épisode précédent, on avait vu
Gold il s'appelle, ou Silver, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est Silver, ouais. Le fils de Giovanni, si j'ai bien compris. Dans cette grotte, on sait pas ce qu'il fait dans cette grotte, mais apparemment on va tomber dessus. Probablement dans cet épisode. Hop, et ben voilà. Alors, que se passe-t-il? Laisse-nous passer! On doit terminer ce qu'on a commencé à Bourpalette. On est supérieur en nombre, tu n'as aucune chance. Ah, il s'appelle Silver. Autant pour moi, je pensais que c'était Gold. Non, c'est ça, c'est Silver, j'ai rien dit. Vous êtes l'exemple parfait. Votre boss, qui est mon père au passage, prime sur la quantité plutôt que sur la qualité. Vous n'êtes qu'une bande d'avortons qui se regroupent en troupeau, mais à l'unité, vous ne valez rien. Je ne finirai jamais parmi vous. Je serai un homme puissant, et je le deviendrai seul. Voyons voir ce que mes Pokémon volés au professeur Orm valent. Oh, il a voulu... Putain, il a fait les 3 starters, carrément. Hop, je vous ai réglé votre compte. Maintenant, vous pouvez foutre le camp. Mais... T'as beau être le fils de Giovanni, tes conséquences seront des actes. Bon, ben, il nous a débarrassé de la Team Rocket, c'est plutôt cool. Après, je sais pas dans quel camp il est, hein. T'as un problème ? Ne regarde pas comme ça. Tu m'attaques pas ? Ah, une corse sortie. Bien, 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 y'a quoi au nord ? Pokéball, on a bien fait de regarder. Ah ouais. Ah, une pierre lune. Pas mal, pas mal. On continue, on avance. Qu'est-ce qu'on a par là? Je pense qu'on a la sortie. Allez hop, au revoir. Faut que je pense à acheter des repousses pour la prochaine grotte parce que c'est assez, voilà, c'est assez répétitif. Se faire agresser toutes les 2 secondes. Oh, Mathioper qui est bloqué, c'est tellement bête. Tellement bête. Allez, au revoir Mathioper, je te laisse en plan. Allez. Même les grottes ne sont plus des endroits sûrs. Ouais. Il y avait de la Team Rocket tout à l'heure. Nosferapti, ça va être vite réglé. Allez, point karaté. On va switcher. Et on voyait Reptincelle, là, j'ai envie de me débarrasser de lui facilement et très rapidement. Flamèche. Beurre. Parfait. Ferro-singe, vas-y Mathioper. Ok, parfait. Coup critique en plus. On est bon. Et on progresse. Ce serait bien de varier un petit peu les Pokémon, enfin les différents Pokémon qu'il y a dans cette grotte, parce que depuis tout à l'heure on tombe sur des Nosferapti. Surtout des 9 Serapti et des Terracaïm. Bon, là, je suis tombé sur un Paras, comme par hasard. Mais bon. Bon sang, j'attends mon collègue depuis des heures. Et ben ouais, c'est comme ça. Kalikid. Ouais. On va envoyer Reptincelle. Thank you.
feu. Allez, flamèche. Ok. Est-ce qu'il a notre Pokémon derrière? Rakaillou. Vas-y, Mathieu Power. Un petit one shot, ce serait bien. Presque. Voilà, c'est bon pour lui. Niveau 18. Et il n'apprend aucune attaque. Bon. Qu'avons-nous à gauche? Une descente. Ah, la Team Rocket encore. Allons-y. Nous nous sommes installés ici pour conquérir des villes éloignées. Eh bien oui. Alors, un tas de morts. Toujours des Pokémon à seigneur. Encore deux. Pas très efficace, mais j'ai envie de faire XP Machopper. Continue. Voilà, parfait. Vas-y, Darkator. Prends le tri-brûle, ça c'est pas bon. Aïe. Un peu d'art. Ça ne lui fait rien, ouais. Oh là là, mais Flamars, faut que t'apprennes la table des types dans Pokémon. Parce que sinon, t'es trop nul. Oh là là. Eh ben non, j'ai la flemme, voilà, c'est petit. Darvena. On teste des choses. Bon, ok. Vas-y, Reptincel, défonce-le. Puff, 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 la mèche. Il brûle. Parfait. Voilà pour lui. Mais que fait la Team Rocket? Moi, c'est Nick, on se le demande. Moi, franchement, je me pose des questions. C'est assez bizarre. Allez, meurs. Tas de morts, on s'en fout, on continue. Oh non. Parfait. Notre base est compromise. Ta base est compromise, ça veut dire quoi? Ta base c'est dans cette grotte en fait. Ah, j'ai l'impression qu'ils se sont installés au Mont Sélénite en fait. Hein. Mm-hmm. Toi tu dégages. Merci, au revoir. La rumeur court que Giovanni aurait capturé Sulfura avec la Master Ball qu'il a obtenue il y a 2 ans. Ah ouais, carrément. Il aurait un Sulfura. Oui, parce que forcément, Red n'était pas là pour l'en empêcher. Donc, dans cette dimension-là, Giovanni serait le chef, le maître du monde, en quelque sorte. Mais bon, on en est loin pour le moment, je pense. Vas-y, défonce-le. Je suis paralysé, moi, je suis paralysé. Ok. Allez, tue-le. Ah bon. Toujours pareil.
On va switcher, je pense, parce que ça va être interminable. Ah, quoique, ça lui fait mal quand même. Ok, c'est bon pour lui. Au revoir. Quoi d'autre, quoi de neuf sinon de mon côté? Je suis allé voir Jurassic World cette semaine, enfin la semaine passée où cette vidéo sera diffusée, et franchement c'est pas si mal que ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont critiqué ce film, moi je le trouvais pas mal en fait. Il y a beaucoup de clins d'œil par rapport au film Jurassic Park, mais non, franchement j'ai bien apprécié. Bon, c'est vrai, le scénario est un peu tiré par les cheveux, hein, surtout au moment de la fin. Je ne vais pas vous spoiler, hein, je ne vais pas tout vous raconter. Mais moi, j'ai bien apprécié globalement. Hein. Alors, Flamèche, qu'on en finisse. Ah, presque. Ah, il prend cher, n'empêche, Rapunzel. Allez, niveau 19, frappe Atlas, voilà qui est pas mal. Et bien à la place de gros yeux, allez c'est parti. Voilà, tu trouveras toujours plus que toi. D'accord, tu trouveras toujours plus que toi. Je pense que le mot qui manque c'est fort. Tu trouveras toujours plus fort que toi, voilà. Bref, c'est pas très grave. Sylvos, corrige-moi ça tout de suite, je déconne. Alors, à ton tour. Tu quoi? Il reste plus que moi ici? Ah ah! Dernier dresseur à battre, apparemment. Et après, on est tranquille. 3 Pokémon. Ratata. Type normal, donc on va faire très mal avec mon Chopper. Allez, essayons, frappe Atlas. Ah, je suis paralysé. Bon, les points karaté. Ah, je suis paralysé. Défonce-le! Voilà. Voilà. Un autre ratata. On va continuer avec le Chopper. Puisque ça se passe très bien. Et voilà. Jusqu'à maintenant, Darkator n'a pas d'attaque extra. Hein. Darvenin, double dard, vive attaque, c'est tout. C'est pas super tout ça. Allez, frappe Atlas. Aïe. Je suis apeuré. Ah, donc ça, ok, donc. On va switcher. Et on va envoyer Reptincelle puisqu'il va monter au niveau. Si il y arrive. Aïe aïe aïe. Il m'a eu. Oh là là. Scarabrut. Merci de le défoncer, Vendetta. Vendetta, ça va lui faire très mal normalement. Je suis apeuré, mais vous êtes sérieux? Et je souffre de mes brûlures. Allez. Ah, oups, ça lui fait rien du tout. Si ça tourne mal, j'ai un super bonbon que je peux... Ah non, je peux même pas l'utiliser en combat. Parce que je me disais, je peux l'utiliser sur Reptincelle, mais ça l'aurait... Ça l'aurait ressuscité, mais bon. Comment je vais faire, là? Je sais. Je sais. Super potion sur Mathieu Peur. Voilà. Et là, on a vraiment besoin d'un centre Pokémon. J'ai pas de... Ouais, non, j'ai rien. On frappe Atlas, défonce-le, vas-y. On y était presque. La vraie. Mathieu Père va s'en charger, pas de chouchi. On compte sur toi, frappe Atlas. Allez, ok. Ouh, j'espère que c'est fini, il n'y a plus de Pokémon là. Eh bien, je n'avais pas le droit de perdre.
et je gagne de l'argent, tellement d'argent. La Team Rocket a déserté les lieux. Ok, c'est super ça. Alors, j'ai juste envie de regarder un petit peu mon argent. 6279 Poké-Dollars. Ouais, c'est parfait. What the... Je suis bloqué ? Ah, la sortie, la route 4, enfin ! La lumière du jour. Deux potions, voilà qui est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça y était pas ? Allons voir. Homme étrange. Il n'y a rien ici, mais fixe pas comme ça. Apparemment, il y a quelque chose. Hein. Cache des trucs, toi. Toi. J'aime me réfugier ici. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, oui, vous l'avez vu, je ne suis pas allé... Oh, un Pikachu Shiny. Damn, je veux. Je disais oui, vous avez vu, il y a un dresseur que je n'ai pas... que je ne suis pas allé voir. Parce que j'avais peur qu'il m'attaque, c'est tout. Les Pokémon sont mal en point, alors. Alors, oui, on les soigne. Tan, tan, ta, ta, ta. Voilà, on arrive donc à Azuria. Championne Ondine. Ça, vous le savez tous. On va mettre Darkator en première position parce qu'il est en retard, du coup. Puff, 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 bonjour. Ma vie a changé depuis que je roule à la bicyclette. C'est bien, je suis content pour toi. Le propriétaire de cette maison a laissé une note des plus terribles à l'intérieur. Celui-ci a disparu depuis des semaines et nous ne pouvons pas l'aider. Nous sommes déjà en manque d'effectifs. Il nous faut un héros pour libérer les dresseurs de la tour Pokémon. Les rumeurs disent qu'elle est tentée par l'esprit Tossatuaire. Tout ceci a commencé quand la Team Rocket a assiégé l'avant-ville il y a des années. Eh oui. Ça fait partie du scénario. Red étant mort, il n'a pas calmé l'esprit Tossatuaire dans la tour Pokémon. Et du coup, il y a encore... Et voilà, du fou bordel, on va faire. Il y a un message écrit. Cela fait bientôt une semaine que mon frère est parti voir la tour Pokémon à l'avant-ville, dans l'espoir de libérer les dresseurs qui y sont coincés dedans. Il paraît qu'une fois rentré, plus personne n'y ressort. Je m'inquiète vraiment pour lui. Il aurait dû rentrer depuis longtemps. Je n'en peux plus de rester là, les bras croisés. C'est décidé. Demain, j'y vais. Ok. Donc, il est parti à la tour Pokémon et... C'est mis en danger quoi. J'ai juste envie d'aller voir un dresseur dans lequel je n'y ai pas parlé encore. Juste voir ce qu'il va me dire. Évidemment. Puis on arrêtera là cet épisode. 23 minutes, c'est plutôt pas mal. Hop, fuite. Et dans le prochain épisode, on va essayer. Je dis bien essayer de battre Ondine. Je ne suis pas sûr du résultat final. Mais en tout cas, on va essayer de la battre. Les champions sont tous les mêmes et ils ne bougent pas de leur arène, même s'il se passe quelque chose de grave dehors. Ah, eh bien écoute. Voilà, je vais arrêter là ce 9e épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 10. Je le rappelle, 3 épisodes par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 9h, 9h du matin. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très rapidement, à la prochaine, bye tout le monde, bisous.